Oxford Bookstore. We are very, very delighted to launch this book, this important book. And I'm very pleased to introduce this session. And because this is the story of a dream, actually, you know, the story of a dream of a French woman, Marguerite de Bure, who landed in Bombay, Mumbai on 30th May 1902. She was the niece of Louis Rousselet, a famous traveler, author, and photographer, who 40 years earlier also landed in Mumbai in 1963. His famous work, L'Inde des Rajas, which inspired Jules Verne to write his book La Maison à Vapeur in 1980, Cradle Little Marguerite. It is also the story of another Franco-Indian encounter a century later. A young India student, Elsa Matthews, today translator and more than translator, arrives at the University Stendhal in Grenoble in 2008. On an Erasmus scholarship. She meets the Merlin family, Marguerite's de Bure families. The letters entrusted to her remain silent in English, for a decade. In January 2019, Elsa participates in the first translation workshop organized by the Book Office of the French Institute in India. She came to our office and she shares with us a project of translating these letters. It was really a discovery for her, and I was very, very sensitive to this story because as a French historian of Shanghai and of the French families in Shanghai, I was very, very sensitive for this kind of heritage and memories. And then Elsa found an Indian publisher, and thank you, Avinder Singh, who accept to publish, only published in French, with the title Indian Chronicles, Letters from a Woman in Bombay, 1902-1904. And this is, the text is a collection presented originally in France by Marie-Anne and Laurence Merlin. So the French Institute in India and the Book Office are therefore delighted to welcome today the publisher, Mr. Arvindan Singh of Sanbun Publishers, the translator, Elsa Matthews, and the family of Marguerite de Bure in the presence of Miss Marie-Anne Merlin. So, may I request Mr. Arvindan Singh to say a few words on this amazing story and the story of the publishing. Thank you. Thank you, Christine. And thank you, Elsa and Marianne and Nita, to be here with us for the launch of the book. Bonjour and hello. Chroniques Indiennes, translated as Indian Chronicles, is a fascinating collection of letters of Marguerite de Bure, written to her parents and family during a stay in Bombay, India from 1902 to 1904. These letters were first collected and presented by Marianne and Laurence Merlin in 2007, whose family has had long association with India. The translator, Elsa Matthews, was put in touch with the Merlins through a common friend when she went to Grenoble, France to pursue higher education. Later, Marianne Merlin gave a copy of the letters of her grandmother, Margaret, which they had carefully transcribed and put together as a book. We are happy to publish this book in English for a wider English reading audience. Indian Chronicles is a fascinating collection of letters depicting the socio-cultural life of India during the early 20th century. Over the course of her stay in India, Marguerite de Bure was able to observe social situations like marriages, workings of the caste system, and the performance of the Notch dancing girls. She gives particularly detailed explanations
about the costumes worn by both men and women on the street during marriages and traveling. Her accounts of her travels to Pune, Mathura, Delhi, and Agra are not only anecdotal, but also full of details of the places she visited. She is especially able to give lucid descriptions of the layout of Bombay, which one is able to imagine through these letters as an open and green space. In her position as an expatriate, she is invited to several homes of the rich, one of them being the Tatas, the relation she describes with much alacrity and empathy. It is interesting to note that though she nurtured a childhood dream of coming to India, once here, she doesn't view India through rose-tinted glasses and goes on to provide candid impressions of daily life in India, such as caste rivalry between servants, marriage ceremonies, and notch performances. The description of the diverse cultures, festivals, and the scenic beauty of erstwhile Bombay will find interest among readers, and it will take you down the memory lane. I have enjoyed reading these letters, and I am impressed by the detailed descriptions of ceremonies, costumes, and events that Marguerite has made, especially those of the Rajas and the Maharajas. They are indeed quite fascinating and rather intriguing. I must congratulate the translator, Elza Matthews, for taking on the Herculean task of translating such old preserved letters and incorporating various photos. She deserves a commendation. I would also like to thank the book division of Institut France in New Delhi for supporting the publication of the book, with special thanks to Christine and to Sumit for their help and support. Indian Chronicles is available for Pan-India online sale on www.flipkart.com. We do hope you enjoy reading this book as much as we enjoyed reading it and publishing it. Thank you so much. Thank you so much, Avinder, for this very warm introduction. And now I'm very, very pleased to welcome Marianne Merlan. It's really an honor to have you among us from Paris, or I don't know where in France, but it's just an amazing situation because, you know, it's like a link through generations. And this is a link between the close relationship between India and France. So my first question, Marianne, is what is your family's relationship with India? Les liens de ma famille avec l'Inde remontent donc à l'histoire de Louis Rousselet et de ma grand-mère Marguerite. Et elle se renouvelle aussi jusqu'à ces dernières années avec l'un de mes frères qui est parti en mission humanitaire quand il avait 21 ans et qui a vécu jusqu'en 2019 en Inde. Ça vient déjà des relations très lointaines de l'oncle Louis Rousselet. Et puis ensuite de sa nièce, Marguerite Rousselet, qui s'est mariée avec Pierre de Bure et qui était mon grand-père. Donc Marguerite de Bure était ma grand-mère maternelle. Yes, right. It's a cult and it's also it's a love story in the context of the beginning of 20th century. And because Marguerite de Bure was already in her first years, and so she left Orléans. She moved directly to India, to Mumbai. And really, when you read the letters, the reader is very struck by the audacity of this woman. And I would like to ask you, Marianne, how did you find these letters? Ces lettres étaient conservées. Ma mère m'en avait parlé plusieurs fois et je savais, elles étaient dans un tiroir, dans les affaires familiales. Et ma mère m'avait dit, voilà, c'est les lettres que ma propre mère a écrites au début de son mariage. Et il y avait un petit mot de sa mère qui disait, voilà les lettres que Jeanne, sa fille, sera intéressée par ces lettres et pourra les garder, mais finalement elles avaient été conservées sans que personne ne veuille les recopier. Et puis c'est
Un jour, je me suis dit, en regardant de plus près, en voyant que l'écriture était facile à lire, parce que c'était quand même une écriture, elle avait été élevée par les dames du Sacré-Cœur, donc elle avait une belle écriture, comme on faisait à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, je vais les faire circuler dans la famille et chez mes enfants. Et la réaction de tout le monde a été de trouver que c'était très intéressant, en particulier mon frère qui vivait en Inde. Quand il les a reçus, ça l'a vraiment aussi beaucoup intéressé. Et du coup, je les ai fait circuler sur Internet. Et ensuite, l'idée est venue de les publier pour qu'on puisse les partager un peu entre tous. So, why did you publish the letters and how many letters did you select? Je n'ai pas sélectionné, j'ai copié ce qu'il y avait écrit avec le, avec les, je n'ai pas du tout fait de comment dire, je n'ai pas contrôlé ce qu'elle disait, ni voilà, j'ai mis, même si tout ne me paraissait pas la même façon de penser que la mienne, malgré tout, je les ai publiées telles qu'elles étaient, et il y avait 70 lettres, et de ces deux années, plus une lettre écrite plus tard, en 1913, et j'ai publié telle que, et je me suis souvent demandé pourquoi on n'avait pas les lettres suivantes. J'ai pensé que c'était parce que sa mère était morte assez vite après, et du coup, je pense qu'elle a continué à écrire, mais qu'on n'a pas conservé de la même façon, donc on n'a pas la suite, on n'a pas... Mais on voit quand même son évolution, parce que la lettre de, il m'a semblé que la lettre en 1913 était déjà moins, était moins, la curiosité était moins spontanée que dans les premières lettres, où finalement il y avait vraiment la découverte de l'âme, de sa culture, de sa philosophie, avec laquelle elle était tout à fait en résonance. Plus tard, sa formation assez rigide dans un catholicisme et une famille très traditionnelle a pris le dessus, et finalement, je trouve qu'elle était plus critique, si je puis dire, vis-à-vis de la culture et de la religion qu'elle croisait. Yeah, actually the letters are like a logbook or a journal. Yeah. And we discover a woman with a very strong character who does not keep her tongue in her pocket. And we are again, I repeat, but we are at the beginning, the first years of 20th century. How would you define Marguerite? A free woman, a feminist before her time? No. Je ne pense pas qu'on puisse la caractériser comme féministe, parce qu'elle n'était pas, elle n'aurait jamais été à la pointe du mouvement féministe, mais simplement elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, et elle le disait avec les mots qui lui appartenaient. Donc plutôt le terme de femme libre me paraît lui correspondre mieux que celui de féministe. Quoi. Voilà. Yes, donc, I think she's really a free woman and also with a lot of humor, and this is really nice to discover at the beginning of 20th century a French woman who received a traditional education to be so free in the way of writing her emotion, her discoveries of the city, and she shares with us now, and thanks to Arvinder, thanks to you, Marianne, for publishing the letters in French and in English. And the reader discovers Bombay at that time, a modern city. And in the image of these colonial cities in Asia, where an echo of Paris is visible. And I was personally very, very struck by this image of colonialist city, because I did a lot of research on Shanghai, and both city, Bombay and Shanghai at that time, at the beginning of 20th century,
French people in Bombay or French people in Shanghai were amazed by the modernism of the cities. And page 34, Marguerite wrote, Bombay, the most beautiful city in the Far East. Can you tell us if Marguerite was able to adapt to life in India? La découverte de Bombay par Marguerite se fait aussi avec ses références architecturales parisiennes, et donc c'est normal qu'elle note que finalement on peut avoir des rapprochements entre l'architecture occidentale. Pour s'adapter, moi ce qui me frappe là, c'est sa volonté. Elle ne parlait pas anglais quand elle est arrivée déjà, elle ne parlait pas anglais, et bien entendu elle ne parlait pas les langues locales. La première chose qu'elle a fait, c'est d'apprendre l'anglais d'abord, parce que ça lui était nécessaire, ne serait-ce qu'avec l'autre société occidentale, il parlait, enfin, tous ses pères, si je puis dire, parlaient anglais, mais aussi de vouloir absolument se mettre à l'ourdou, et il l'appelle l'hindoustani, mais c'est l'hindi, quoi, donc du coup, et aussi tout de suite s'intéresser à la religion, aux mœurs, à la culture, en particulier de la communauté parsi, parce que j'ai l'impression que c'est les gens qu'elle fréquentait le plus à Bombay, c'était cette partie-là de la population, et elle le fait avec beaucoup d'empathie. C'est ça qui est frappant, c'est son empathie au début pour cette découverte. Voilà, et ça, je trouve ça très, ça m'a beaucoup touchée, quoi. Yeah, you're right. It's really fascinating the capability of Marguerite to adapt herself to the climate, for example, but also to the social environment, because she had different kind of relation, not only upper classes, not only colonialist networking, but she really observed the society at that time in Bombay. What became of Marguerite after 1904? Because we follow her story these 4 years in Bombay, Mumbai. Did she travel around? Did she move with her husband after 1904? Après 1904, ils sont partis quelques mois ou années à Sydney, où est né son second fils, Jacques. Je n'ai pas du tout de trace de la vie en Australie. Là, je pense que ça a été très court. Et ensuite, elle a été, par contre, une dizaine d'années à Ceylan, au Sri Lanka actuel, à Ceylan, où ma mère est née en 1909. Et donc, c'est surtout autour de Ceylan que me parlait ma mère, puisque finalement toute son enfance s'était passée là-bas, quoi. Donc, mon grand-père s'était quand même marié, il avait 42 ans, donc en 1919, il a eu l'âge de prendre sa retraite, et en 1919, ils ont quitté Ceylan pour prendre sa retraite en France, à Toulon, au bord de la mer. And what became of her children? Ses enfants, elle a eu Marguerite et Pierre ont eu 4 enfants. L'aîné François-Xavier, qui est décrit puisqu'il est né pendant les 2 années où elle a écrit ses lettres, elle a voulu le mettre en pension à son dernier séjour en France, enfin, parce qu'il rentrait en France tous les 3-4 ans, il devait rentrer. Et il a voulu le mettre en pension en France pour qu'il ait une meilleure éducation. Et cet enfant est mort à 10 ans, en 1914. Je croyais longtemps que c'était la grippe espagnole, mais en fait, c'est une pneumonie. Mais enfin, bon, le résultat était le même. Il est mort tout seul là-bas. Enfin, il avait quand même des cousins, mais il était tout loin de sa famille. Et donc, après, il lui est resté
Le second fils, Guillaume, est mort très vite aussi, et donc il lui est resté deux enfants, ma mère Jeanne et son frère Jacques. Et donc c'est ces deux enfants-là, ces deux enfants qui vraiment ont considéré le cadre que j'ai considéré comme mon cadre familial quand j'étais jeune, quoi. Mon oncle et ma mère, bien sûr, et mon oncle Jacques. Mon oncle Jacques a suivi la même filière que son père. Il est rentré aussi dans les messageries maritimes. Et il a fait aussi une carrière en Extrême-Orient, mais en Indochine. Mais lui s'est tué dans un accident d'avion en 1946. Donc là non plus, la succession s'est un peu arrêtée un peu vite. Mais il avait eu des enfants dont l'aîné est aussi entré dans les messageries maritimes, a fait sa carrière aussi comme son père en Extrême-Orient. Et et actuellement, même il y a encore des arrière-petits-enfants qui sont, il y en a un qui vit à Hong Kong, comme si l'attrait de l'Extrême-Orient restait capital pour la famille, quoi. Yes, it's one of my next questions. This link and this permanent connection with Asian countries in your family story, and also the importance you mentioned messagerie maritime, this is a French line, so, between France, Le Havre port, and all important city ports, port cities in Asia, and maybe we can find some archives in the French Light Archive Center in the Havre. But my question is the memory of this story and the attraction for India and Asia still alive in your family? C'est assez étonnant, quoi. C'est vrai que c'est voilà. Donc What about your brother Pierre? Ah oui. Alors, donc, en fait, chez nous, on n'a pas eu cette succession dans les messageries maritimes, mais par contre, c'est au niveau de mon frère, le plus jeune de mes frères, qui était né justement en 46, qui lui a voulu partir quand il a eu 21 ans, c'est-à-dire un peu dans l'atmosphère de avant 68, comme on disait en ce moment, au moment où on voulait quitter un peu notre vieux monde pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Et donc, lui aussi, à son tour, il s'est retrouvé en Inde, dans l'Inde du Nord, et cette fois-ci, c'était pas du tout le même genre de carrière qu'il faisait, puisque il est entré dans une petite ONG qui s'occupait de réhabilitation d'anciens malades de la lèpre, et il y a fait toute sa vie, puisqu'il y est entré en 67 et qu'il est décédé en 2019. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que ce qui l'a intéressé, c'est pas seulement d'aller aider, c'était pas aider, mais c'était aussi entrer dans une autre culture et une autre civilisation que celle dans laquelle il avait été élevé, puisque finalement il est devenu très proche, si je puis dire, de la culture et de la philosophie indienne, même s'il n'est pas voilà, il n'est pas, il est resté lui-même, quoi. C'est quand même un parcours aussi très personnel. Tout ça, c'est pas des parcours. Voilà. Et c'est à travers lui, c'est à travers ce frère, finalement aussi, que toute la famille, ensuite, a continué à avoir des contacts. Parce que moi, j'ai été 6 fois le voir et en même temps faire des petits séjours en Inde. Mais autour, non seulement moi, mais même mes frères et sœurs, mes petits-enfants, mes enfants plus que mes. Et mes petits-enfants, certains, ont été aussi déjà là-bas. It was one of my last questions, but you already answered, because I wanted to know if you have been to India or to Ceylon, but you already answered. Je n'ai pas été à Ceylon, jamais. Par contre, j'ai effectivement des neveux. Une de mes nièces a fait le tour du monde l'année dernière avec son mari, comme certains le font maintenant à l'habitant de leur vie. Et ils ont commencé leur carrière, ils ont commencé leur tour du monde en partant de Ceylan, parce que c'était avec une photo de leur arrière-grand-mère justement dans un jardin de Eden Grove, là, l'endroit où maman était née. This is a very important, I mean, this is a very
important pretext or reason to travel when you have one of your family. It's also your roots. And thank you so much, Marianne. Now I would like to ask some questions to Elsa Matthews, the student, but the friend, the translator. And so, Elsa, how did you meet a friend? She put in touch when she came to know that I'm going to study in Grenoble. Grenoble, she put me in touch with Marianne because she had already studied at the University of Barcelona. I wanted to know why you decided to translate this later, and what did you discover when you read the letters? First of all, I wanted to translate them because whenever I used to browse through them, I used to see to read a lot of beautiful detail about the weddings, about the costumes, about the voyages they did, and the place. And what I enjoyed the most was the detailing of ceremonies. And not only that, she would give a lot of personal opinions and impressions. And they were, at the same time, they were frank and they were also funny. Going to see the dancing girls and just saying that, oh, but all of them are so ugly. Instead of, you know, saying something like, oh, they were so beautiful or something. You know. So what I liked was she was very frank about her impressions about India. She never tried to mask anything, and I really liked that a lot, and I thought I should translate it and bring it to a wider audience. Yeah, I agree with you, and I was also very surprised at how she also criticized when she was on board, when she crossed the ocean, and she criticized the colonial French society, and she was so precise in her description. That's amazing, and it's really courageous in some way. And did you have difficulties to translate the letters? I mean, because the historical context was not the same, so did you need to do some historical research to know more about the social or economic or religious context in this colonial society in Bombay, but also the Indian society at the beginning of 20th century? Actually, not much really, because I am to some extent familiar with French society, but and also because I'm familiar with churches and Catholic religion. I understand what is the context of it. Also, but yes, there were certain times, like for example, there is a meeting with the Maharaja of Palitana, I think, and then they go back for a visit de digestio, and I could not understand what is visit de digestio, so I had to do some research about it. And also something interesting that I found out towards the end was that the tourism in India, because in 1913 she goes to the South Indian temples and she talks about the cook tourists. I knew that this is a very old company, travel agency, but I didn't realize the way they function, and I somehow understood something about the cook tourists, and they actually call that because they bring people from European countries to India. So that was interesting. Yes, it is true. Sometimes, maybe even for certain kinds of cloth material, there was a mention of a very old cloth material, which is the word is no longer in use, I think. And so I did some research about it. So yes, I did. There is some sociocultural aspects which I was not aware of that time, which I had to go back.
Thank you, Elsa. So it's really it's not only a work of a translator, but also a young historian, if I might say. And congratulations, because it's not easy to try to keep close to the kind of reality in terms of historical context. And it's really. It was really interesting to read the letters. I wanted to ask one more question to Marianne. This is from Arvinder. And Arvinder Singh wanted to know how Marguerite, I ask you in French, Marianne. Savez-vous comment Marguerite a-t-elle été perçue par les communautés indiennes, par les habitants de Bombay? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de répondre à travers ces lettres? J'ai du mal à répondre à cette question. Ce qui m'a frappé quand même, c'est que finalement, il y a un petit peu d'opposition entre la façon de voir de la communauté française et de la communauté anglaise. Donc, il y a déjà une espèce de critique sur la façon dont, et je pense qu'elle était réciproque, que les Anglais étaient beaucoup plus dans l'entre-soi et qu'elle se considérait comme étant capable d'aller vers les autres et vers les Indiens, même si elle choisissait quand même un peu... C'est les gens qu'elle rencontrait. Donc ça c'est vraiment très frappant. Je sais qu'elle a gardé, par exemple, la famille Metaxa, dont elle parle plusieurs fois, c'est des Grecs qui étaient installés, parce que c'est quand même très... Il y a des gens qui viennent un peu de tous les pays, hein. Il n'y a pas que les Anglais et les Français. Je sais que les Metaxa sont restés des amis de la famille, qui sont restés même à ma génération, on a continué à avoir des liens avec eux. Je pense quand même que quand je la vois critiquer certaines personnes autour d'elle, ne serait-ce que sur le bateau quand elle part, où elle considère que finalement les gens ne sont pas du tout de son milieu et que finalement, comme elle dit, ils viennent de l'arrière-cuisine et non pas... Bon, je pense que finalement ça devait peut-être être réciproque, on devait peut-être la sentir aussi un peu comme une dame un peu hautaine, si je puis dire, donc peut-être que... Mais disons que ce qui... Je pense quand même que les gens appréciaient, que les Indiens, enfin, que les appréciaient de voir l'intérêt qu'ils suscitaient pour elle, quoi, de savoir que finalement, elle cherchait à comprendre, elle cherchait aussi, d'ailleurs, ses invitations, ses efforts pour quand elle rencontre des femmes qui, même si les gens rient en trouvant qu'elle a un mauvais accent de hindi, malgré tout, ils sont quand même très, très touchés de voir qu'elle essaye de les comprendre dans leur propre langue, quoi. Ça, c'est quand même très frappant. Yeah. Thank you so much. I agree with you. I mean, you're right. It's a difficult question, but because it's difficult to know about the representation. How Indian imagine or think about this kind of French families. And as you mentioned, Bombay was also a melting pot of different foreign communities during this period. And I think that, and you said that before, that between, for example, the French community or the English community, it's not the same. They don't have the same relationship with the people, with Indian people, independently of their social level. And because Marguerite de Bourg and her husband, they try to speak Hindi, they try to speak the language, so they are closer to the people, even if they are in the foreign communities, but I'm sure that it made the difference with their relationship with
the different Indian communities, Parsis, or also merchants, etc. And one thing is that the French lines, company, the French line, most of the officers, they have to speak the language. If they are in China, they have to speak Chinese or Shanghainese. And I think it's not because they are less colonialist than English, but I think they have different attitude. I don't want to have a debate on a comparison between French and English colonialism in Asian countries. It's not the purpose, it's not the point. But it's really interesting. Again, she's a woman, she's not a scholar, she is wife of one French officer from French line, but she tried to understand. She every day, and the leaders, testimony to really try to understand the society in different ways, because it's also a daily life description. It's not only she's really an open mind woman. She's not a feminist, but she's a free woman by her choice, and she's also very open mind to all the civilization and Indian people at that time in this particular context at the beginning of 20th century. So thank you, Marianne. I would like to invite Arvider to say maybe with Elsa some words to conclude the session. Please, Arvinder. Yeah, thank you so much, Christine. It was a pleasure to join this meeting. And it was wonderful to hear you and Marianne, Elsa. And it's quite fascinating, you know, to know how somebody comes to India all the way in so many years back and how she depicts India and talks about what she saw. For me, if I was on that time, it would be very fascinating, you know, to see. So I think it's a great effort she's done. Elsa, you've translated for the people. And I thank you, French Institute Bombay, for helping us and support this book. And to you, Christine, you've always been a help to us, and like to remind Sumit also, who was also very instrumental in helping us, and my good wishes, and I hope this book sells well, and you're most welcome. You can log on to Flipkart and your order from there, and thank you everyone, thank you Marianne, Christine, Elsa for being here, thank you. Yeah. Thank you, Arvinder. Elsa, do you want to add something? No, I just want to say thank you to French Institute and Marianne and Arvinder for having supported me through this. It was quite a long journey translating this. It was very fascinating, but it was very beautiful to do it. And thank you so much for the support. Thank you. Thank you all of you. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye bye. Bye bye.